Salut à tout le monde, nous sommes à Rome aujourd'hui, temps absolument idéal pour jouer au football dans ce magnifique cadre du Stadio Olimpico. Pierre Ménès est à mes côtés, prêt à vous faire vivre de grands moments. On a de la chance aujourd'hui hein, avec cette rencontre qui nous est proposée, cette demi-finale de la Coupe Européenne Internationale. Un match spécial à plus d'un titre, Pierre. Allez, cette fois on passe aux choses sérieuses puisqu'il ne reste plus que 4 équipes encore en course. Ces deux formations, vous verrez bien aller au bout. Mais il reste 2 matchs à jouer, dont celui-ci. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Il compte déjà 3 buts en championnat, on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher d'en marquer plein d'autres. Cette demi-finale de Coupe Européenne Internationale, qui est le premier match à élimination directe de la saison pour cette équipe. Ouais, bon, l'enjeu n'est pas colossal, ne l'oublions pas, mais bon, dans l'esprit des supporters, de l'entraîneur et des dirigeants... Ça reste une compète avec un titre au bout. Voici les 11 Rennais qui vont débuter ce match. Alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. On aura une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes, soutenir les milieux et même proposer des solutions aux attaquants. Il va falloir 18 poumons chacun, quoi. Et droit dans les bras du gardien. Facile. Marcosso. On cherche une solution. Allez, il continue. Allez, il faut le mettre celui-là. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Il manque une belle occasion. Peut-être qu'il n'était pas tout à fait réveillé encore. Je ne sais pas. Johansson. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Marcosso. Le tir. Oh, le plongeon. Oh, il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Ouais, il fallait encore l'avoir le ballon, c'était pas évident. Le corner en direction du... La tête qui n'inquiète pas du tout le gardien. Ouais, là on était plus dans le concept de la passe en retrait que de l'occasion de but. Hein. Léa Siliki. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, l'arbitre a sifflé hors jeu. Hors jeu. Complètement raté cette passe. Une ouverture. Allez, dans la boîte, il y a du monde. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Allez, c'est peut-être une bonne touche pour les Rennais s'ils allongent. Clément Grenier. Dombia. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Marcosso. Ah, c'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Chercher une ouverture, bien sûr. Marcosso. Ouais, largement à côté. Là pour intercepter ce ballon. Le Stade Rennais qui ne marque pas de but, mais il n'en encaisse pas non plus dans cette première mi-temps. Allez, le ballon qui est dégagé. Léa Siliki.
qui est rendu au camp adverse. Et le ballon dans les pieds des Rennais. La possession de balle est assez nettement en faveur du Stade Rennais. Enfin, c'est pas très efficace tout ça. Hein. C'est trop lent, ça manque de folie. Avoir la possession, c'est bien. En faire quelque chose, c'est quand même beaucoup mieux. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Ils attendent une ouverture dans la défense. Et frappe contrée par le défenseur. Il va avoir du mal à s'en sortir, on dirait. Et oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Les 30 derniers mètres. Centre peut-être, allez. Bien. Léa Siliki. Non, elle est interceptée cette passe. Il y aura 2 minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Ah non, le ballon est perdu. Clément Grenier. Léa Siliki. Bonne anticipation sur ce ballon. Cette demi-finale qui tient toutes ses promesses en ce qui concerne le suspense en tout cas. Allez, on s'est bien reposé. On va pouvoir repartir pour 45 minutes. Oui, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Marcosso. Traoré. Léa Siliki. Ballon rendu à l'adversaire. Allez, ils vont jouer la touche. Andrea Costa. Un petit mot sur le dernier recrutement de l'AS Monaco qui a été officialisé. Oui, sachez que la transaction se... La frappe ! Oh, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Andrea Costa. Trouver une option disponible. Il glisse ce ballon en profondeur. Andrea Costa. Armenteros. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Cherche une solution là. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Donc bien. La passe. Un ballon pour l'adversaire. Il porte le ballon. Le centre un peu raté. Et le gardien qui s'en saisit tranquillement. Johansson. Amari Traoré. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Jérémy Gélin. Da Silva. Il ne maîtrise pas le ballon, ils le perdent.
alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Johansson, il s'avance vers la surface. Non, ce n'est pas en frappant à cette distance qu'il risque d'inquiéter réellement le gardien. Oui, avec les supporters qui commencent un peu à s'impatienter. Ils ne pensaient pas que leur équipe se créerait aussi peu d'occasions aujourd'hui. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Léa Seliki. Chercher une ouverture, bien sûr. Il prend la frappe. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. La passe est interceptée. On sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. C'est ce qu'a demandé l'entraîneur, un jeu plus direct. J'ai cru entendre l'entraîneur dire attaque de folie. Ça sent le coup de poker. Attention, contre. Bonne intervention. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Et il veut faire sortir la défense, hein, c'est clair. Clément Grenier. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour donner? Attention à la frappe. Oh, l'ouverture du score! L'ouverture du score! Oh, elle se sera fait attendre dans ce match. Le compteur qui est enfin ouvert, Pierre. Ouais, on aurait pu en voir quelques autres, mais jusqu'ici, les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Ça explique cela. Alors là, si cette équipe arrive à se remettre de ce but... Attends, je regarde le chrono. Non, là, enfin, à mon avis, c'est râpé, là. On vient de voir l'entraîneur regarder le tableau d'affichage qui confirme que son plan a l'air de fonctionner. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Le Stade Rennais qui mène au tableau d'affichage. Oh, sur cette interception, il vient de casser une occasion terrible. Et tout Mawassa. Ça vient à tête. Ballon perdu. Armin Terros. Andrea Costa. Non, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Un ballon qui est rendu au camp adverse. Attention à cette action. C'est un petit peu maintenant ou jamais là pour égaliser. Ah bon centre. Là, ils sont en finale de coupe. Ah, la victoire est acquise. C'était l'objectif hein, de ces joueurs aujourd'hui. Il est rempli. Ouais, mission accomplie sur toute la ligne. Ils peuvent déjà penser au prochain match. Marcosso, le tir. Oh, le plongeon. Oh, il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Ouais, il fallait encore l'avoir, le ballon. C'était pas évident. Chercher une ouverture, bien sûr. Marcosso. Ouais, largement à côté. Cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Clément Grenier. Oh, c'est bien donné dans l'espace.
Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Attention à la frappe. Oh, l'ouverture du score! L'ouverture du score! Oh, elle se sera fait attendre dans ce match!